L'alchique pour arriver au bon moment. Ah, tu veux parler du chancelier ? Si c'est pour nous guider, ça me dérange pas plus que ça. Je me méfie de lui, et vous devriez en faire autant. Ah, tout ça ne me dit rien qui vaille. J'aurais préféré que Kor soit avec nous pour nous aider. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il est occupé ? Si j'ai bien compris, il aurait accepté une mission dangereuse, en échange d'informations sur un tombeau royal. Toujours aussi bosseur, à ce que je vois. Et si on prenait une photo ici ? Non, pas envie. Hein ? Pourquoi ? C'est bloqué par là. Pas de risque impossible. Ouais, sans Gladio, pas le droit à l'erreur. L'adversaire va nous donner du fil à retordre. C'est moi qui vous le dis. Bien, quel est le programme ? Non, tu t'es fait défoncer là, non ? Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, en fait. Comme sur des roulettes. Noct, j'entends. Moteur Magitech. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de classe à l'arrière. Ce sera répété et déformé. Sérieux, encore ? L'échec n'est pas une option, non. Je sais. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais, on y va ?
À part chanter, on peut faire quoi sous cette pluie ? Non mais quelle catastrophe ! L'Estaloum ne pourra pas survivre sans énergie et sans électricité. Et quand j'y réfléchis, moi non plus. Je comprends pas, la radio marche encore, elle. On y va. Merci. Merci à toi, Chocobo. Messieurs, quelle agréable surprise. Et allez, qui voilà ? L'armée impériale est ici, restons donc ensemble. Pardon ? Mais oui, avec moi, vous ne risquez rien. Bien, allons-y. Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner. Ce ne ferait que provoquer les soldats impériaux. Et à trois, vous ne faites vraiment pas le poids. Tiens, vous êtes bien calme. Nous n'avons rien de particulier à dire. Vraiment ? Et si nous parlions de la raison de votre visite ? J'imagine que vous êtes ici pour du mithril. Mais c'est qu'on peut rien lui cacher ! Évidemment. Le mithril est un minerai tellement précieux, à tel point que l'Empire envoie son armée pour garder l'accès aux ruines. Mais tu vas nous en donner. Hein ? Quelle idée farfelue ! Et par-dessus le marché, il est radin. Je pense juste qu'il vaut mieux vous en occuper vous-même. Vous ne croyez pas ? Je vais vous demander d'attendre quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il a en tête encore ? Aucune idée. C'est bon. Venez. Alors c'est vous qui voulez entrer dans ma troupe. Les petits bleus qui ont besoin d'entraînement. Le prince Noctis et sa suite. Du calme. La politique ne m'intéresse vraiment pas, les bleus. Et je me fiche complètement de votre identité. Vous êtes prêts pour la mission ? Quoi ? Tu oublies ton entraînement ? Certes, je suis payée pour vous escorter. Mais restez tout de même sur vos gardes. Bon, amusez-vous bien. Commandant Aranea, je vous les confie. À mon avis, vous n'allez rien trouver ici. Si vous voulez... À quoi pouvait bien servir cet endroit ? T'as une idée, Ignis ? Aucune. Je me demande bien ce que sont devenus les habitants. Pourquoi vous n'entrez pas pour les chercher ? Je vois pas d'entrée. En tout cas, pas à cette heure-ci. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette entrée ? L'Empire l'a bien cherchée, aussi. Il suffit d'attendre la nuit.
Ça rafraîchit ? Un petit peu. Et la lumière fut. Bonne idée. Je vous l'avais bien dit. J'étais sûr qu'il y avait un truc pas net. Faut faire confiance à son instinct. Oh. Allez, on y va. T'es aventureux pour une fois. Ce sont des amis les deux dehors. Ils ont l'air de tenir à vous. Ah. Oh, elles vont jusqu'où comme ça ces marches? Enfin, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Tiens, c'est bizarre. Ils ont laissé la lumière allumée. Vous croyez qu'il y a encore quelqu'un ici? Non. J'ai peur qu'on ne soit pas les bienvenus. En effet, il n'y a rien d'intéressant bon, ici. Continuons de chercher ailleurs. Et si on essayait par là ? En tout cas, l'érosion a bien fait son travail. Donc en gros, ça pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre. Regardez où vous mettez les pieds. Oh, juste quand ça devenait intéressant. Débarrassons-nous de ça.
Je sais. Fais gaffe à ce que tu fais. Désolé. Note, t'assure. Évidemment. T'es lourd, Note. C'est absolument superbe. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Regardez là-haut! On dirait une surface d'eau. Hein? Mais alors, ça veut dire qu'on est sous l'eau? Waouh! Il y a même des poissons! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-il possible que nous soyons vraiment submergés? J'ai l'impression que j'ai plus de mal à respirer. On se croirait dans un rêve. Gladio rate vraiment quelque chose, là. Je crois pas que ça l'intéresserait. Oh, on ne sait jamais avec lui. Là-haut. On a fait ça les doigts dans le nez. Là, il y a un passage. C'est bizarre. Il y a un truc qui me tracasse. Quoi donc? On n'aurait pas raté un truc ici? Est-ce qu'on peut... T'inquiète, ça tient. Rien n'est moins sûr. Oh. Attendez-vous surtout à des démons. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement que l'armée les observe de très, très, très près. Que recherche l'Empire par ici? Des spécimens. On en récolte sans cesse. Spécimen de quoi? De démons. Et pourquoi l'armée s'intéresse tant aux démons? Tu n'as pas une petite idée? Ben non. Ah, il faut que je devine! T'es une vraie tueuse, Aralea! Merci du compliment. Et si je te disais qu'ils en font des armes? Hein? Oui, vous en avez sûrement vu plein. Quelque chose cloche sérieusement avec l'Empire depuis quelque temps. Ouais, enfin, c'est pas nouveau, ça. En effet. Je me demande si je ne devrais pas démissionner. Pardon, quoi? Mais qu'est-ce que tu ferais si tu démissionnais? Ce que je veux. Je suis mercenaire à l'origine. Avec mes compagnons, on pourrait par exemple chasser des démons. Ah oui. Ça te changerait. Oh!
Terminé. Bon, on passe à la suite. Qu'est-ce qui te fait dire que quelque chose cloche avec l'Empire ? Oh, l'Empereur et le nouveau grand commandant, pour commencer. Et ne parlons pas du chancelier. C'est trop pour moi. Ça va pas s'effondrer, hein? Arrête de stresser. Oh. Quoi? Un truc s'est effondré? Non! C'est pour moi! Ça devenait intéressant. Hé, hey, vous savez quoi? Quoi? Ça sent le gros trésor à plein nez. C'est vrai que ça donne cette impression. N'oublions pas ce pourquoi nous sommes venus. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Je m'en doutais! En garde! Oh mince! Il est énorme, lui! C'était à prévoir. Mais il a des pattes en plus! On va pas s'ennuyer! Écrasons-les! Oh, juste quand ça devenait intéressant. On a fait ça les doigts dans le nez! Où est-ce qu'on est? Non, je suis pas fan des trucs violents. Un escalier, ça nous manquait. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Des marches à tout va, jusqu'où ça va? J'en ai ras-le-baba. Il craque, là. Merci du compliment. C'est bon, on peut aller de l'autre côté.
On y va. D'accord. On dirait qu'ils veulent pas qu'on traverse. Remarquez, j'en meurs pas d'envie non plus. Un embranchement. Quel côté? Voyons par où il y aurait un trésor. Si on le savait, ce serait facile. Eh ben, ce sera au petit bonheur la chance. Essayons de ne pas nous perdre. Fais des prières! Oh. On bouge? Oui. Avant qu'ils ne montent en puissance. C'est pareil pour l'Empire. J'ai aucune idée de ce que tu racontes, Aranea. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Wow ! C'est grand ! Je suis sûr qu'il va y avoir un gros méchant ! Si c'est le cas, on aura de la place pour l'encercler. Charger tout seul. Sans doute. C'était un peu... Bien joué! Les gars, venez voir par ici! On a trouvé ce qu'on cherchait. Dis, Aranea. Oui? Ces armes liées aux démons, c'est quoi exactement? Vous avez déjà vu des soldats Magitech, j'imagine. Oui. Eh bien, ils sont le fruit d'expériences sur les démons. Ils sont issus de démons? L'Empire est devenu d'un sinistre. Il ne fait pas bon être prince. Ah, pardon, roi. Je sais.
de l'air! Bravo! C'est la fin de l'entraînement. De nombreuses épreuves vous attendent. Et sachez que les rôles ne sont pas gravés dans le marbre. Je ne suis pas sûr de voir clair dans ton jeu. Mais ton aide nous a quand même été des plus précieuses. Vous m'en voyez honoré, même si vous ne me faites pas confiance. Aranea, que les dieux te protègent. Oh, merci. Vous de même. Je vous entraînerai plus si nous nous recroisons. Ah, j'ai failli oublier. Le chancelier a insisté pour que je vous raccompagne. Alors, dites-moi quand vous êtes prêt à partir. J'avoue qu'on s'en est bien tiré quand même. Noct. J'ai reçu un message de Cindy. Ah ouais? Elle veut qu'on voie un ingénieur à l'Estaloum. Elle a une amie qui travaille à la centrale. Nous devons lui remettre le mithril. Ah, j'espère qu'après ça, le bateau sera enfin réparé. Une fois reposé, il serait bon que nous retournions à l'Estaloum sans faire de détour. Faites vos préparatifs. Oh. J'ai l'impression qu'on reviendra pas de sitôt à cet endroit. Faudrait peut-être en profiter pour pêcher. Vous allez à l'Estaloum? Je vous dépose là-bas, alors. Ouais. Bon. Vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Alors, c'est parti. Oh, regardez! Ce vaisseau rouge. Debout, petit prince. On y est. On dirait qu'il y a un grave problème à la centrale. Mais nous, on ne peut pas intervenir sans ordre. Vous, par contre, vous êtes libre de le faire. Rien ne vous en empêche. Ok. Compte sur nous. Sur ce, soyez prudents. Mon cher Noct, cette tenue te va à ravir. Je te la donne si tu l'aimes tant. C'est la seule qu'on ait. Et pour les combats en solo, tu es le meilleur. Oublie ta dégaine et vas-y.